Alors voilà, je vais sortir du camping. En fait, je ne savais pas si j'allais partir ce matin ou pas. En fin de compte, j'ai décidé de partir vu la météo, que ça va durer au moins 2 jours. Et du coup, malgré la pluie, je m'en vais jusqu'à il y a 2 minutes, la pluie à torrent. Et voilà, je ne sais pas exactement dans quelle galère je me rentre. Mais ça reste que de la pluie. Et voilà, je vais m'organiser comme ça, c'est tout. Je me suis équipé à. Par-dessus les chaussures, j'ai un truc contre la pluie. Je ne sais pas à quel point c'est efficace. Il fait pas très froid. Et apparemment, je vais avoir du vent de face. Alors aujourd'hui, je suis sorti à 11h moins le quart. 11h moins le quart, ce qui est bien pour. Pour le fait qu'il a plu, ça m'a pris plus de temps à m'organiser. Et en plus, je savais même pas si j'allais partir ce matin. J'ai très bien dormi cette nuit avec mon sac de couchage. En fait, je le ferme à un stade où j'ai vraiment que la place pour le nez et la bouche pour respirer. Et la capuche du sac de couchage me couvre les yeux. Ça fait que le matin, le soleil ne me dérange pas du tout. C'est un gros kiff. Et voilà, aujourd'hui, vu que je sors tôt et que j'ai jusqu'à 6 heures pour pédaler, si j'arrive à tenir la pluie, ben du coup, je vais réussir à faire pas mal de kilomètres. Espérons que ça va être le cas et que la pluie et le vent va pas trop être pénalisant. Oups. Voilà. Et aujourd'hui, je suis encore plus chargé que d'habitude. Parce que hier, je suis allé faire les courses. Je pensais que j'allais rester aujourd'hui. Ça fait que j'ai fait des courses et je me retrouve avec une sacoche encore plus chargée. Mais bon, comme c'est du plat, c'est relativement du plat là maintenant, ben c'est pas grave. Je suis très content d'être parti. Ce temps là, mine de rien, il a un côté très plaisant. Cette petite odeur de pluie mélangée à l'odeur de la végétation et une petite odeur de vache comme ça, c'est un rêve. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Sur les lunettes, il y a des gouttes et ça dérange un peu pour voir. Mais sinon, ça ne me dérange pas. Après, je pense de mes lunettes déjà à cause de la pluie et deuxièmement, des fois, il y a des mouches ou je sais pas quoi. Il faut surtout pas enlever les lunettes. Là, dernièrement, j'ai senti un truc qui m'a vraiment tapé le truc. Ça faisait un bruit. Je me suis dit, si j'avais pas les lunettes, ça me refait vraiment très mal. Regarde, c'est bon.
Je suis arrivé sur une partie de. Sur une voie verte. J'ai déjà effectué 54 km. C'était sur des petites routes. Mais là, vu qu'il a plu, ça fait que j'arrive pas à avancer vite. Ça me. Mes pneus, ils s'enfoncent un petit peu. Et en même temps, je dois faire attention. En tout cas, c'est très beau. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'espère que ça va être plus roulant par la suite. Depuis le début du voyage, j'ai pas vu une personne de la journée, quoi. Ouais. Ça, le terrain il est pas pareil là. C'est vraiment des cailloux. Ah ok. Ça me rassure. Elle s'est vraiment pas arrêtée la pluie aujourd'hui. Au moment où j'ai fait ma pause, elle s'est arrêtée vraiment 10 minutes. C'est tout. Mais je me suis tapé la pluie depuis que je suis sorti. Il doit être 2h, car il est 2h30. C'est incroyable. On est en été, il pleut comme je sais pas quoi. Il a recommencé à pleuvoir à torrent. Là où il y a les traces de pneus là qui sont enfoncées, ça veut dire que là-bas je peux être déstabilisé. Plus le parterre il est dur, mieux c'est. Et des fois il vaut mieux aller sur la pelouse. J'ai fait 60 km et j'ai pas l'intention de m'arrêter. Je sais pas, j'ai envie de faire. Je suis chaud même pour faire du 120, 130, 140 km. Après, il faut voir avec les campings parce qu'ils ferment tôt. La vérité, j'ai presque une envie de ne pas calculer les campings, rouler jusqu'à que j'en ai marre et après je me démerde. Voilà, c'est tout. Ça peut être une idée, ça. C'est incroyable cette pluie là. Obligé de graisser ma chaîne, j'enlèverai la graisse plus tard, je galérerai, mais il n'y a rien à faire. Je suis vraiment trempé de la tête aux pieds. Il y a les cyclistes que j'ai rencontrés tout à l'heure là qui m'ont dépassé. Et là, c'est
trempé de la tête aux pieds. J'espère juste que mon matériel va pas trop la pluie là. De traverser Rennes et la pluie elle s'est calmée. Juste à côté, je vais les appeler pour voir si je peux venir. C'est bon, je vais dormir dans un camping ce soir. Camping des Deux Moulins. J'adore cet endroit. J'adore. Déjà parce que la dame a été hyper accueillante. Il y a un petit coin pour manger ici. Très tranquille. Là, je suis en train de faire mon réchaud. Il y a un endroit pour laver le vélo. Le vélo, il était rempli de boue. Et aussi toutes mes affaires remplies de boue. J'ai pris le tuyau, tic-tac, tout nettoyé. J'ai mes voisins, j'ai sympathisé avec eux, très sympa. Un couple qui, ça fait 20 jours qu'ils sont en train de voyager. Ils ont une tente qui leur a duré 30 ans, même leur réchaud, des voyageurs quoi. Et voilà, la vérité. Ah, j'ai pu acheter une bonbonne de gaz pour le réchaud. Ils vendaient des pneus, toutes sortes de trucs utiles, ils vendaient aussi ça. Et comme j'avais acheté une toute petite à Decathlon et je savais que je devais en acheter une en chemin, ben voilà. Franchement, c'est un coin paradisiaque. C'est une pluie qui mouille. C'est des grosses gouttes. Heureusement que ma tente elle est étanche. Donc pendant toute cette journée, la majorité de la journée, je me suis tapé la pluie. Toutes mes chaussures, elles étaient trempées. À un moment donné, la pluie, elle ne me dérangeait même plus tellement qu'il pleuvait.